d'abord sur votre droite, je vous présente la Jaco. C'est la voiture la plus ancienne de notre musée. Elle date de 1878 et fonctionnait à la vapeur. Il fallait donc chauffer 80 litres d'eau pendant 2 heures pour ne rouler que 7 km. Dans cette allée, une série de Benz du célèbre Carl Benz. C'est lui qui remplaça les chevaux à l'avant des véhicules par un petit moteur. Il transforma donc les véhicules hippomobiles en véhicules automobiles. Oui, c'est ce que je dis. C'est également lui qui construisit la première voiture à moteur à pétrole. C'était en 1887. Au fur et à mesure de notre avancée dans le temps, vous pouvez voir quelques changements sur les véhicules, tels que l'apparition des toits, tout d'abord en toile très fine pour se protéger du soleil, puis en cuir pour se protéger des intempéries. L'apparition également des volants, comme on les connaît aujourd'hui, des phares pour mieux percer la nuit, et des pare-brises qui, comme vous pouvez le constater, étaient tout d'abord droits. Il a fallu attendre une dizaine d'années, soit 1910, pour qu'ils s'inclinent un peu. D'ailleurs, les essuie-glaces n'existaient pas. Alors comment faisait-on? Il suffisait simplement de couper une pomme de terre en deux et de la frotter sur le pare-brise. Ceci empêchait les saletés de se déposer et la pluie de s'écouler. En hiver, on répétait l'opération avec un oignon cru pour empêcher le givre. Levez vos yeux et admirez nos 600 lampadaires, tous de reproduction des lampadaires du pont Alexandre III à Paris. Nous disposons d'un peu plus de 425 voitures en salle et 200 en réserve. Il est intéressant de savoir que 90% de la collection appartenait aux frères Schlumpf. De part et d'autre de cette allée, vous pouvez voir que certaines voitures sont assurées et possèdent une plaque d'immatriculation. Celles-ci sont au nombre d'une cinquantaine dans le musée et sont en parfait état de marche. En raison de ses 7 mètres de long, conçu par Paul Arsens en 1938. Son châssis et sa carrosserie sont faits d'aluminium. La même année, elle fut exposée au salon de l'automobile à Paris, mais n'eut pas un grand succès, car étant trop longue, elle n'était vraiment pas pratique pour se garer. Paul Arsens décida donc de renouveler l'expérience 4 ans plus tard avec la voiture juste à droite de la baleine, que l'on surnomme l'œuf. Le changement est radical en effet. Depuis la crise de 1929 qui débuta aux États-Unis et qui se répandit en Europe, les constructeurs automobiles décidèrent de faire de petites voitures accessibles à tout public. Comme la Dina de Port-Levasseur sur votre droite, la 4 chevaux de Renault ou encore la 2 chevaux de Citroën toujours sur votre droite. Personnelle de Monsieur Frichon. On l'appelle le papillon à cause de ses portières, mais son vrai nom est la Mercedes 300 SL. Sur la plaque d'immatriculation, vous pouvez lire 300 CJ.
300 signifie que c'est une voiture officielle et ces J sont les initiales des parents de Fritz Schloss, Karl et Jeanne. Le petit pot de yaourt, la Fiat 500. Plus gros succès commercial de la marque qui est remis donc au goût du jour en 2007. Et juste à côté, la Citroën DS. C'est dans une voiture similaire que le président Charles de Gaulle fut victime d'un attentat dans les années 60. Ne possédait pas de publicité comme aujourd'hui. En effet, chaque pays est représenté par une couleur précise car chaque pays avait sa propre écurie. Le bleu pour la France, le rouge pour l'Italie, le vert pour l'Angleterre, le gris blanc pour l'Allemagne, le gris étant la couleur spécifique de la marque Mercedes. Il existe 6 Bugatti Royale en tout et nous en possédons 2. Sur votre droite, vous pouvez admirer la fabuleuse Bugatti Royale Coupé Napoléon de 1929. Voiture personnelle de Monsieur Ettore Bugatti, dessinée par son fils Jean pour sa mère. Elle mesure 6 mètres de long, pèse 3 tonnes, peut contenir 200 litres d'essence et consommer jusqu'à 60 litres au 100. C'est également l'une des premières voitures à posséder un toit panoramique et un intérieur de velours parce que madame aimait le luxe et voulait voir les étoiles la nuit. Elle est estimée à plus de 40 millions d'euros. Et juste à côté, le tout premier véhicule de pompiers. Il est encore bien loin de nos camions actuels. Et toujours sous votre gauche, le taxi de la Marne.
L'un de ces fameux taxis qui emmène nos soldats au front lors de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, savez-vous d'où vient l'expression « monter en voiture » ? Eh bien, tout simplement des marchepieds que vous pouvez observer. Si vous observez la place des volants, vous vous rendrez compte que pour la plupart, ils sont à droite, comme les cochers à l'époque. En effet, le conducteur avait peur du fossé qui se trouvait sur sa droite. Mais dans les années 20, Citroën décida de placer le volant à gauche et de ce fait, ajouter les rétroviseurs pour faciliter le dépassement. Les autres marques suivirent petit à petit. Voici une Bugatti blanche, première voiture disposant d'un moteur 5 litres de cylindrée, similaire à celle de Monsieur Roland Garros, célèbre aviateur et non-joueur de tennis, comme on pourrait le croire.